CB. Tu parles dans tous les appartements. Compter une mauvaise blague. J'aimerais vraiment ça. Salut les patachos, aujourd'hui j'ai le goût de vous faire découvrir ce que c'est qu'une journée de Jess Fush. Ça commence avec 3-4 heures de sommeil, puis ensuite t'avais oublié qu'elle allait tester les alarmes, fait que ben, tu te lèves, tu restes pas là, tu t'en vas. Salut, moi je vais prendre un sandwich légumes du potager avec un cappuccino glacé, lait au chocolat, avec une dose d'espresso. Ça te plaît pas moi? Deuxième étape, quand t'as le ice cap, tu t'en vas à la SADEC porter ta demande de subvention que t'as faite la veille. N'est-ce pas? Voilà. La SADEC, c'est dans le vieux port de Montréal. C'est pas très pratique, mais si tu y vas à peu près le matin, vers ça, 10h30, t'es correct. Faut monter en haut là-bas. Les bureaux de la SADEC sont dans le vieux port, dans un immeuble qui a aucun sens. Du gros swag. N'oublie pas, Patachou, la SADEC, ce n'est pas au 7e, c'est au 8e. Salut les patachous. J'ai voyagé dans le temps. Je suis rendu à Sainte-Thérèse. Et ça, c'est l'entrepôt de notre nouveau distributeur qui s'appelle Propagande. On en vient chercher des albums. Plusieurs heures plus tard, la vanne est remplie d'albums que je viens de récupérer. Pit stop à la banque. Après ça, conduire dans le trafic jusqu'à Montréal où j'ai déjà raté mon rendez-vous avec Frank Jolie pour mixer les nouvelles pré-prod. La semaine passée, on a tapé des tonnes avec Rouge Pompier. Puis là, Frank est au bureau maintenant en train de loader les tracks dans Cubase. Puis je suis tellement pas avec. Là, je viens de me rendre compte avec beaucoup de déception que ce qui me restait de mon cappuccino glacé est complètement fondu. Là, je suis très très triste. J'ai une grande tristesse. Petit qui est en 99. Ok, non, ben un moyen d'abord lait au chocolat et crème fouettée au chocolat, s'il te plaît aussi. Donc, un moyen crémeux lait au chocolat avec la crème fouettée? Oui, c'est ça. Il y a Nicolas Ciccone qui disait que, tu sais, les petites choses là, c'est important. Bon, ben j'ai rectifié le problème du cappuccino glacé fondu. Je m'en vais dans le trafic. Car je trouve que tu travailles pas assez. Il se passe rien, là. Ah ouais, c'est ça. Tu fais ça, je pense que tu te pognes le cul. Bon, fait que là, on est dans la suite de la journée. Là où Carl et moi, on est en train de regarder la fin du vidéoclip de Noé Talbot parce qu'il fait des effets 3D, il fait des affaires fuckées pis tout, pis ben, on essaie de trouver des solutions pour rendre ça. Carl, combien de layers de building que t'as? De building? Ouais. J'ai deux gros layers, dedans, ils ont 4 layers, dont 1 comme 2, puis il y a comme 10 layers. Donc ça, c'est Noé original. Ensuite, série de building. C'est 1 million d'autres buildings. Là, oups, on rajoute Noé, yes sir. On rajoute la fenêtre. What's up? Yeah, t'es un monteur vidéo, man. 18h21, pendant que Carl essaie de faire paraître Noé Talbot comme étant un terroriste, moi je dois emballer ce deluxe de Rouge Pompier pour quelqu'un qui l'a commandé la semaine passée et qui l'attend impatiemment. Kind of country you want to be. And sometimes by accident that question actually is being asked in the current case. On est un peu dans une journée inventaire, vous m'avez vu tantôt à l'entrepôt pour compter des disques pour Slam Disc, mais il y a aussi autre chose dans notre marchandise que des Deluxe pour Rouge Pompier. On a aussi beaucoup de t-shirts et actuellement sur Facebook, conversation avec Alex. Donc, comme on est des champions de vendage de merch, on essaie dans une conversation de se rappeler qu'est-ce qu'on a vendu, parce que ça va vite dans les shows, on est deux et on essaie de rouler ça. Mais donc c'est ça, on revient à travers nos papiers et on comptabilise tout. Parlant de Alex et de Rouge Pompier, aujourd'hui, Gilles l'a raté, Frank, mais il est quand même passé au bureau et il a amené
les tracks. Fait que là, je vais aller écouter ce que Frank nous a apporté. Fait qu'en décembre 2015, je me suis enfermé ici pendant à peu près un mois pour taper les vocales de Chevy Chase. Puis ben là, je me rassure pour la première fois avec Cubase. Puis ben effectivement, Frank, ça fonctionne. Frank Jolie, c'est ce beau garçon-là qui fait maintenant des arenas avec Simple Plan. Il est rendu vraiment big, big, big. Mais tu vois, si on recule sur son profil, hop, là, ça c'est lui au Spectrum qui mixe les vulgaires machins. Tu vois, qui était déjà big il y a 10 ans. Que vous venez d'entendre là, dans le fond, c'est la première toune qu'on a faite quand on a commencé la journée de studio la semaine passée. C'est la toune qu'on a faite en soundcheck. On a composé ça pendant qu'on testait, dans le fond, le stock. Puis Chris, c'est bon ça. J'ai développé un genre de langage qui me permet d'avoir des shit threads de vocal avec des idées de mélodie pis tout. Là. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est de loader toutes les tunes puis d'exporter ça dans le fond pour que Alex puisse les entendre, checker ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à cogiter un peu plus sur qu'est-ce que ça pourrait être le texte puis qu'est-ce qu'on pourrait faire.